Bon voilà, merde s'enchaîne, la chaîne s'arrête, le micro ne marche plus. Parce que si j'avais le micro, eh bien vous auriez entendu ça. Et aujourd'hui, eh bien, je suis forcé de vous annoncer que je suis obligé de faire des émissions de 2-3 minutes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, je suis en train de démarrer la nouvelle saison, en train de la préparer, quoi. Et donc, j'ai besoin d'écrire plein d'autres scripts à côté de ça. Et donc, du coup, je peux pas me dédoubler tout seul ou voilà. C'est que le temps, c'est la merde. Et que justement, eh bien, c'est ça la contrepartie de faire des vidéos en juin. Hein, n'est-ce pas? Enfin bref, on va quand même essayer de traiter l'actualité de cette semaine. Commençons avec Richard Ferrand, le canard enchaîné, Sandrine et tout ça là. Enfin bon, comprend plus rien. En fait, on vient de découvrir qu'il a trafiqué des maisonnettes pour se faire encore plus de fric. Bon, ok, bon, les affaires avec le canard enchaîné, on commence à en avoir ras-le-bol. Alors, passons. Ensuite, on a une autre personne à traiter, Mathias Depardon. Ce journaliste, eh bien, il voulait faire un reportage. Mais comme c'est la Turquie, eh bien, c'est un très bon pays au niveau liberté d'expression, au niveau liberté de la presse, au niveau clean, au niveau éthique et tout ça, enfin bon. Donc, eh bien, connaissez la suite. Bon, Erdogan, quand même, le président turc, eh bien, il a promis au président Macron, quoi, eh bien, qu'il allait régler tout ça. Enfin, c'est lui qui le dit en même temps. Au niveau média, TV et tout ça, eh bien, on va parler de Cyril Hanouna et de TPMP. Enfin, vous connaissez pas ce truc? Pourtant, elle est très connue, encore une fois, pour son éthique parfaite, pour sa bonne ambiance. Et c'est bonne chose à voir. Eh bien, récemment, l'animateur a été convoqué chez la secrétaire d'État au niveau égalité des sexes. Bon, bien, c'est bien, hein, voilà. Et enfin, reparlons de politique avec Macron et Poutine. Ou enfin, putain, selon les Anglais. Eh bien, ils se sont rencontrés, encore une fois. Et tous les médias se sont focalisés sur la fameuse poignée de main. Ah là là, ça aime bien vendre. Mais à part ça, eh bien, ils ont parlé de trucs régionaux, de trucs internationaux, etc. Et bien sûr, du sujet à la mode en 2017, le terrorisme. Au niveau de la météo, jingle. Non, je déconne, c'est pas très rapide. Il y a des orages super puissants de la mort qui vont tout bousiller. Ah non. On va encore se taper le putain de soleil avec en plus ces moustiques de merde. Voilà. Maintenant, on peut parler d'autre chose. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les désinformations internetisées. Le sport. Avec bien évidemment le championnat de baseball au Cameroun. Non, je déconne. Mais surtout, eh bien, on va parler de Roland Garros. Puisque oui, c'est ce dimanche dernier que a commencé cette compétition. Alors, comme d'habitude, tout le monde connaît ce truc, j'ai pas besoin de réexpliquer. Maintenant, eh bien, de quoi va-t-on parler? Bah, des scores. Vu qu'il y a plus que ça. Bon, je vais quand même faire un effort pour vous dire un peu plus. Comme par exemple, Almagro qui pleure parce qu'il s'est cassé la jambe et son adversaire le console. Une belle preuve de collaboration sportive, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou presque. Voilà, c'était bien drôle. Malheureusement, eh bien, je dois vous quitter puisque, bon, j'ai encore d'autres chats à fouetter. Hein, comme le dit si bien, je sais plus qui. Enfin bon, bref, je sors des expressions comme ça, c'est très dommage, Donc, eh bien, j'ai plus qu'à vous laisser ici et à vous dire au revoir, salut à tous et à la prochaine.